donne-moi mon argent. S'il vous plaît. C'est une voleuse. Ne touche pas. Tout le monde sait ça. Continuez, ce ne sont pas vos affaires. Vous feriez mieux de partir, je vous assure. Je suis resté pour un vol. Vous voyez, mon fils, j'ai rien à lui donner à manger depuis ce matin. Le père, je ne l'ai jamais eu revu. C'est pas à cause de lui, c'est que mon maître, il n'a pas voulu me garder. Et depuis, je dors dans la rue avec le petit. Frère. Allez, entre. Non. Tu veux pas? Tu seras pas déçu. Les statues de vos saints préférés. Sainte-Cécile pour les maux de gorge. Saint-Paul pour le mal de dos et les pieds enflés. Saint-Joseph pour les mains gercées. La Vierge pour éloigner et la peste. Reculez-vous. Faites place au phare. Dégagez les rues. Faites place au phare. Par ici, la tête de Saint-Jean-Baptiste, sauvez les âmes au ciel. Par ici, pour acheter une messe pour les morts, mettez l'argent dans la boîte. Des cierges pour les absents, des cierges. Mettez vos pièces dans la boîte. Ça suffit, frère. Long ou court, tu auras tes 500 ans. Un instant. Assez, assez! Nom du défunt et parenté. Hendrik Luther. Grand-père. Un autre père à chaque marche. Quand tu seras en haut des marches, Hendrik sera libéré du purgatoire et il franchira les portes du ciel. Nom du défunt et parenté. Wolfram Esche. Un autre père à chaque marche. Quand tu seras en haut des marches, Wolfram sera libéré du purgatoire et franchira les portes du ciel. Saints préférés, des chapelets du Liban, de l'eau bénite de la rivière du Jourdain. Statues et images de vos saints préférés. Et franchira les portes du ciel. Cela fait presque 2 semaines que tu es rentré de Rome. 2 semaines et quasiment pas un mot, même au confessionnal. En tant que ton père dans le Christ, je t'ordonne de parler. Rome est un cirque. Un vrai cloaque. On peut tout acheter, sexe, salut. Il y a des lupanars, rien que pour le clergé. Comme il y en a certainement à Leipzig. Une église a les pièces pour lesquelles Judas a vendu notre Seigneur. 100 ans de purgatoire en moins, chaque fois que vous en embrassez une. Et tu crois Rome unique pour de telles reliques? Il y a des rumeurs sur le Saint-Père lui-même, qu'il est assoiffé de pouvoir. Allons dehors. On n'est pas bien ici? Eh bien, ce sol, cette couleur, j'aime la couleur. Mais tu confrontes tes frères à un choix difficile.
Soit ils apprennent à frotter comme toi, soit ils trouvent un moyen de rendre ton œuvre un peu moins brillante. Attention. Doucement, comme on trait une vache. Les anciens révéraient leurs abeilles. Elles avaient plus de valeur que leurs esclaves. As-tu déjà lu le Nouveau Testament, Martin ? Non, non, père. Peu l'ont lu, mais tu le liras à Wittenberg. Wittenberg ? Un doctorat en théologie. Vous m'envoyez étudier ? Je t'envoie à la source, les Écritures, le Christ lui-même. Je suis en train de perdre la foi. Je me sens idiot lorsque je prie et vous m'éloignez. Tu prêcheras. Je serai un imposteur qui prêche. On prêche mieux ce que l'on a le plus besoin d'apprendre. Ne m'éloignez pas de vous. Dieu t'a donné des dons pour une raison. À Wittenberg, tu pourras changer les esprits. Ouvrir des yeux. Et c'est ce que tu veux, n'est-ce pas ? Changer les choses. Si nous croyons vraiment que le Christ est notre Sauveur, alors nous avons un Dieu d'amour. Et voir Dieu avec foi, c'est regarder son cœur bienveillant. Alors quand le diable vous jette vos péchés au visage et déclare que vous méritez la mort et l'enfer, dites-lui ceci. J'admets que je mérite la mort et l'enfer, et alors ? Car je sais qu'il y en a un qui a souffert avec satisfaction pour moi. Son nom est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Où il est aujourd'hui, j'y serai aussi. Le prince Frédéric souhaite qu'il ne s'exprime plus. Tu aurais dû l'arrêter, Karlstadt, lui interdire. Lui interdire, Spalatin ? D'enseigner la théologie ? Il décrédibilise le prince. Allez, il n'y a pas d'enseignement clair sur les rues. Quand je suis devenu moine, je croyais que le capuchon de moine me rendrait saint. Quel idiot prétentieux. Maintenant, ils ont fait de moi un docteur en divinité et je suis tenté de croire que cette robe va me rendre sage. Eh bien, Dieu un jour a parlé par la bouche d'un âne et peut-être va-t-il le faire de nouveau. Mais je vais vous dire crûment ce que je pense. Qui d'entre vous est allé à Rome ? Avez-vous acheté des indulgences ? Non. Moi, si. Pour une pièce d'argent, j'ai libéré mon grand-père du purgatoire. Pour deux fois ça, j'aurais pu libérer mamie et oncle Marcus aussi. Mais je n'avais pas la somme, alors ils ont dû rester au chaud. Et pour moi, les prêtres m'ont assuré que rien qu'en regardant des reliques sacrées, je réduisais mon temps de purgatoire. Heureusement pour moi, Rome avait assez de clous de la Sainte Croix pour ferrer tous les chevaux de Saxe. Mais il y a des reliques ailleurs dans la chrétienté. 18 des 12 apôtres sont enterrés en Espagne. Et pourtant, ici, à Wittenberg, nous avons ce qui se fait de mieux. Du pain qui nous reste de la Seine, du lait du sein de la Vierge, une épine qui a percé le front du Christ sur le calvaire, et 19 000 autres morceaux d'eau sacrée, tous authentifiés comme de vraies reliques. Johann Tetzel, lui-même, inquisiteur de Pologne et de Saxe, vendeur d'indulgences extraordinaires, connaisseur en reliques, envie notre collection. Pour la posséder rien qu'une seule nuit, il abandonnerait spontanément 5 ans de sa vie terrestre, avec joie. Ou 500 ans de purgatoire. Votre réputation vous précède, Allender. Je le crains. Cardinal Cayetan dit que vous êtes un brillant esprit possédant néanmoins un vrai désir de servir. J'ai besoin de tels dons. Excellence. Albert de Brandebourg veut devenir archevêque de Mayence. N'est-il pas déjà archevêque de deux territoires allemands ? Exact. Alors le droit canon lui interdit d'en avoir un troisième. En outre, n'était-il pas trop jeune lorsqu'il a obtenu le premier ? Effectivement. Comme je l'étais moi-même. Cayetan, certainement, vous a informé que j'ai été fait cardinal à l'âge de 13 ans.
L'ambition d'Albert peut servir la gloire de Dieu. Les Turcs sont aux portes de Vienne. Les Français sont sur mes talons et Rome est devenue un véritable égout. Avec des chiens et des chats sauvages le jour. Et des brigands et des fornicateurs la nuit. Et cette nouvelle basilique de Saint-Pierre n'est pas qu'un monument à Léander. C'est un symbole de mon intention de restaurer l'église du Christ. Et Albert va être une bénédiction pour cela. Il offre 10 000 ducats pour Mayence. Mais Albert est au bord de la ruine. Vous êtes bien informé. Les fougueurs vont lui prêter de l'argent. Les banquiers impériaux. Un prêt sur 8 ans. Comment va-t-il les rembourser? Johann Tetzel. Ne déroulez pas les bannières avant que le feu ne s'allume. Tout a été préparé selon vos ordres. Jean de Jüterbog, vous êtes-vous jamais brûlé la main dans le feu? Même un seul doigt mis à vif par les flammes peut vous torturer toute la nuit, n'est-ce pas? Oui. Imaginez alors. Votre corps entier brûlant. Pas pour une simple nuit, ni pour une semaine, mais pour toute l'éternité. Allons-nous être épargnés des flammes de l'enfer lors du jugement dernier? Ce soir, votre pape, le vicaire du Christ, vous envoie un cadeau. Un cadeau pour vous sauver de telles flammes. Une indulgence spéciale a été accordée pour la construction de l'église à Rome où reposent les ossements des apôtres, exposés au vent et à la pluie, désacralisés par les animaux sauvages. Écoutez les mots de votre Saint-Père qui dit « Posez une pierre pour Saint-Pierre ». Et vous poserez la première pierre de votre salut et de votre bonheur aux cieux. Comment? Avec cette indulgence. Quand? Ce soir. Et seulement ce soir. Cherchez le Seigneur quand il est prêt. Voici votre radeau. Emparez-vous-en. Homme qui craint Dieu, as-tu une pièce pour le Christ? Bonne mère, quand le temps viendra, assure-toi que ton enfant infirme soit recueilli par Jésus. Ces moines instruits sont là pour prendre votre nom ou le nom de votre parent bien-aimé, vivant ou mort, sur ceci. Votre passeport vers la joie céleste du paradis. Non. Marie Baumer. Non. Grete. Non. Dietrich Hutten. Non. Pierre.
réfléchis à cela. Nous pouvons prêcher jusqu'à n'avoir plus de voix, mais nous ne pouvons apporter l'évangile à notre peuple. Docteur Martin! J'ai fait ça pour Greta. Établi par l'archevêque de Mayence. Où as-tu trouvé ça? Youtuborg. Il le vendait à l'église. Ce n'est que du papier, Anna. Ces mots ne veulent... rien dire. Ça ne vaut rien. Tu dois avoir confiance en l'amour de Dieu. Garde ton argent. Pour nourrir Crète. Attention d'Albert de Mayence, père en Christ et très illustre prince. Pardonnez-moi d'avoir l'audace de vous écrire. Je fais cela car il est de mon devoir de vous informer et de vous prévenir des pratiques tordues de ceux qui prétendent représenter votre grâce. Le Christ n'a pas prôné l'enseignement des indulgences, mais celui de l'Évangile. Faites parvenir ceci à Rome. Aux chrétiens, on doit apprendre que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait une meilleure action que celui qui achète des indulgences. Si le pape peut vider le purgatoire, pourquoi ne peut-il le faire par amour plutôt que pour de l'argent? Mon Dieu, mais qui est ce Martin Luther? Fritz! Quoi? Docteur Luther veut que tout le monde voit ceci. Et tout le monde le verra. Bonnes gens de Magdebourg, emparez-vous du radeau pendant qu'il en est encore temps. Tant de grâce pour une si petite pièce. On donne l'argent allemand à l'église allemande. Est-ce que Saint-Pierre repose dans une église allemande? Ou Saint-Paul? Ou aucun des saints apôtres? Avec cette indulgence, je peux absoudre tous vos péchés. Je peux même sauver l'âme de l'homme qui viole la mère de Dieu elle-même. Bien sûr, vous avez entendu les rumeurs que le pape m'a convoqué à Augsbourg. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, et je prie avec ferveur qu'il ne trouvera pas de faute en moi. Mais qu'il réfléchira à ceci lorsque je serai parti. Nous sommes obsédés par les reliques, les indulgences, les pèlerinages ou les lieux saints. Pourtant, tout le temps, il y a le Christ. Le Christ, ici, dans chaque recoin, à chaque heure du jour. Il ne se trouve pas dans les eaux des saints, mais ici, dans votre amour les uns pour les autres, dans votre amour pour vos proches, dans ces sacrements, et dans la parole sainte de Dieu. Si nous vivons la parole par la foi, dans l'amour et dans l'obligeance à notre prochain, nous ne devons craindre le jugement d'aucun homme. Martin, la faculté est derrière vous. J'ai écrit une lettre de protestation et je serai le premier à signer si vous étiez arrêté à Augsbourg. Merci, Karlstadt. Merci. Levez-vous, mon fils. Qu'avez-vous à dire? Ai-je commis une erreur? Oui, vous en avez commis une. Laquelle?
afin que j'évite de la répéter. Vous avez enseigné de fausses doctrines. Lequel de mes enseignements est blessant pour Rome ? D'abord les indulgences. La bulle du pape Clément Unigenitus stipule clairement que les grâces du Christ sont un trésor d'indulgence. À qui ? Je vous demande pardon, votre grâce. Je pense qu'il est écrit « Les grâces du Christ ont acquis un trésor d'indulgence ». Je ne suis pas ici pour débattre avec vous. Non, votre grâce. Mais Unigenitus a été proclamé il y a 175 ans. Et si cette bulle n'était pas si gênante pour notre Église, elle ne serait pas communément appelée extravagante et absente de la majorité des recueils de droit canon. Elle contredit Panormitanus. Notre pape Léon est en accord avec la bulle de Clément. La discussion est terminée. L'honneur de la papauté n'est pas préservé par la simple affirmation de l'autorité papale, mais par la sauvegarde de la crédibilité du pape et le témoignage clair des Saintes Écritures. Le pape interprète les Écritures. Peut-être les interprète-t-il, mais il n'est pas au-dessus d'elles. Il ne devait dire qu'un seul mot. Nous savons tous les deux que le commerce des indulgences ne repose sur aucune des Écritures. Si les gens simples avaient directement accès à la Bible, ils comprendraient à quel point les interprétations de l'Église sont larges. C'est scandaleux! Les Écritures sont beaucoup trop complexes pour que même un prêtre ordinaire puisse les comprendre, encore moins le commun des mortels. Les indulgences sont une tradition établie qui apporte du réconfort à des millions de simples chrétiens. Du réconfort? Votre grâce, je ne suis pas intéressé par le réconfort n'est pas le propos. Alors vous considérez votre inconfort plus important que la survie de la chrétienté? Je suis intéressé par la vérité. La vérité. Les Turcs rassemblent des armées sur nos frontières de l'Est. Nous sommes au bord de la guerre. À l'Ouest, c'est un monde d'âmes qui n'ont jamais entendu la voix du Christ. C'est ça, la vérité. La chrétienté se délite. Et au moment où nous avons le plus besoin d'unité, vous semez la confusion. Mon but n'est pas de me quereller avec le pape ou l'Église, mais de les défendre avec plus qu'une simple opinion. L'Église ne peut pas être dévoyée par la parole de l'homme. Je refuse de discuter avec ce moine. Vous aviez dit que c'était un niais. Il a remis en question l'autorité du pape. Panormitanus. Unigenitus. Ou devrions-nous l'appeler extravagante, comme le reste du monde? C'est un hérétique. Nos ordres sont clairs. Soyez l'absurde. Vous n'avez pas à me donner de leçons, Aleander. Je sais exactement quels sont nos ordres. Je suis resté calme, j'ai simplement demandé qu'on me montre mes erreurs. Si tu n'abjures pas, tu seras livré à l'Inquisition. Abjureras-tu ? Alors il n'y a qu'une façon de te sauver la vie. À genoux. À genoux ! Martin Luther. Au nom du Christ, je te délivre de tes vœux à l'ordre des Augustins et te recommande à la miséricorde de Dieu. Non, ne faites pas ça, père. Je ne suis plus ton père. Tu comprends ? Si j'étais ton père, alors le droit canon m'obligerait à te livrer aux autorités. Mais je resterai ton père spirituel. Jusqu'au jour de ma mort. Va maintenant. Dépêche-toi. Il y a un cheval à la grille des communs. Ne me laissez pas seul, père. S'il vous plaît, père. Y a-t-il d'aussi important pour nous interrompre ? Le prince Frédéric de Saxe. Il refuse de vous livrer Luther, votre sainteté. Dressez-vous, ô seigneur, et jugez votre cause. Un sanglier sauvage a envahi votre vignoble. Nous ne pouvons plus tolérer que le serpent se glisse dans le champ du Seigneur.
Martin Luther seront examinés puis brûlés. Quiconque enfreindra notre excommunication et notre anathème sera soumis à la colère de Dieu Tout-Puissant et des apôtres Pierre et Paul. Amen. Vous pouvez brûler ces livres, vous ne pouvez pas ces idées. Les œuvres de Martin Luther seront effacées de la mémoire de l'homme! Martin Luther dit la vérité! Allumez le feu! Trouvez quelqu'un d'autre pour le faire! Voici ce que Rome appelle une bulle papale, un édit du pape lui-même. Il n'y a qu'une chose à faire avec ce tourbillon d'air. Oui, nourrissez le feu! Nourrissez le feu avec le droit canon! Nourrissez le feu avec tous les mensonges avec nourrissons-le, Rome! C'est ça! Nourrissez-le! Nourrissons le feu! Attisez le feu! Nourrissez-le! C'est ça! Nourrissons le feu! Mon empereur, mon bon oncle, permettez-moi de vous présenter mes félicitations pour votre élévation à l'Empire. Je suis venu vous parler de Martin Luther. Notre Saint-Père a envoyé son nouveau cardinal pour nous informer de la situation. Non, vous voulez dire que vous êtes venu depuis Rome avec pour seul objet de nous aviser de cette petite affaire? L'hérésie n'est jamais une petite affaire. Votre Altesse, si je peux avoir votre oreille un instant. Si votre affaire concerne Martin Luther. Mon affaire est la Saxe, monsieur. Et je souhaite avoir une courte audience avec mon empereur. Livrer Luther à Rome. Je ne peux pas, il est mon sujet. C'est mon devoir de veiller à ce qu'il ait un procès équitable. Aleander m'a donné sa parole que l'Inquisition donnera un vrai procès à Luther. Oh, l'Inquisition de Rome ne fait pas de procès, monseigneur. Elle délivre des condamnations à mort. Et toute l'Allemagne prie que vous la défendiez. L'hérétique doit être jugé. Votre bien-aimé grand-père Maximilien nous a dit qu'aucun sujet allemand ne serait jamais condamné sans un juste procès dans son propre pays. Alors nous l'entendrons en Allemagne. À Worms. Worms représente une longue route depuis Wittenberg, monseigneur. Et le pape lui-même a mis à prix la tête de Luther. Ces espions sont partout, au mépris de mon noble souveraineté. Et donc, sire, au mépris de votre souveraineté. Alors je m'assurerai que Martin Luther arrive en toute sécurité à son juste procès. J'enverrai moi-même une garde impériale pour l'escorter. Sur cela, vous avez ma parole. Oh, ou pas. Thank you.
relevez-vous. Que le Seigneur vous bénisse, Martin Luther. Je ne suis pas un saint. Bénissez-moi, mon père. Bénissez-moi, mon père. Je pensais que vous m'aviez abandonné. Je pensais que j'étais à nouveau seul au monde. Du calme, Martin. Un écart et vous épargnez un procès à l'empereur. Je suis ici pour te servir. Je suis nerveux, j'ai si peur. Martin, j'espérais que tu aiderais l'Église à se réformer, pas à la détruire. Avec tous ses péchés, l'Église est toujours l'Église. Que devient un enfant sans sa famille? Comment les gens vont-ils faire, livrés à eux-mêmes, vulnérables, effrayés? Toute ma vie, j'ai vu un monde qui déteste plus le mal qu'il n'aime le bien. Je te demande de regarder vers le bien, Martin. Tu es en train de déchirer le monde. Le jour où vous m'avez si bravement envoyé changer le monde, pensiez-vous vraiment que cela n'aurait pas un prix? Vous, Martin Luther, reconnaissez-vous ces livres? Les 95 thèses, un sermon sur les indulgences et les grâces. La captivité de Babylone, la liberté d'un chrétien. Adresse à la noblesse chrétienne de la nation allemande. En êtes-vous l'auteur? Oui, de tous. Ces livres contiennent des hérésies contre notre Sainte Église. Reniez-vous ce que vous avez écrit. Dieu, fait qu'il donne la bonne réponse. Plus fort. Puis-je avoir du temps pour réfléchir? Vous avez eu le temps. Et vous auriez dû vous préparer à répondre. Je voudrais répondre de façon satisfaisante, sans offenser la parole divine, ni mettre en danger mon âme. N'importe lequel d'entre nous peut être convoqué pour témoigner, sans crainte et sans équivoque à tout moment. D'autant plus dans votre cas, un célèbre et expérimenté professeur de théologie. On vous accorde un jour. Demain, vous devrez répondre. Maudit sois-tu. Retourne en enfer. Maudit, maudit. Retourne en enfer. Maudit sois-tu. Tais-toi. 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 Je sens ton souffle fétide dans ma nuit. Heureux diable, es-tu de me voir muette. Tremblant comme un animal à l'abattoir. Où es-tu? Où est sa foi maintenant? Où est sa foi maintenant? Où est sa vantardise? Où est sa vantardise?
Parlez bien, docteur. Bonne chance, Martin. Il faut l'encourager. Silence dans la salle. Silence. Faites silence. Martin Luther, êtes-vous l'auteur de ces écrits? Je le suis. Reniez-vous ce que vous avez écrit? Je ne peux renoncer à tous mes travaux, car ils ne sont pas tous pareils. D'abord, il y a ces livres dans lesquels j'ai décrit la foi chrétienne et la vie, si simplement que même mes détracteurs ont admis que ces travaux étaient utiles. Renier ces écrits serait impensable, car ce serait renier des vérités chrétiennes acceptées. Il n'est pas là pour faire des discours, simplement pour répondre. La deuxième partie de mon travail est dirigée contre l'infâme doctrine et les mauvaises vies menées par les papes, passés et présents. Non ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! À travers les lois du pape et les doctrines des hommes, les consciences des croyants ont été lamentablement écorchées et trompées. Si je désavoue ces livres, je ne ferai rien d'autre qu'ajouter de la puissance à la tyrannie. Et ouvrir non seulement les fenêtres, mais aussi la porte à cette grande impiété. Il s'est condamné lui-même. Dans la troisième partie, j'ai écrit contre les personnes privées et les individus qui soutiennent la tyrannie de Rome et ont sapé mes efforts pour encourager la piété envers le Christ. Je confesse que j'ai écrit trop sévèrement. Je ne suis qu'un homme et peux me tromper. Je demande que mes erreurs soient prouvées par les Écritures. Et je renierai mon travail et jetterai mes livres au feu. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous, Martin Luther, vous n'allez pas semer le doute sur des enseignements déjà jugés par l'Église catholique. Des enseignements passés dans les usages, dans les rites et les observances. La foi que le Christ, le plus parfait des législateurs, a édictée. La foi que les martyrs ont fortifiée avec leur sang. Vous revenez en vain sur des arguments auxquels votre condition vous oblige de croire. Alors donnez votre réponse. Oui ou non. Reniez-vous ou ne reniez-vous pas? Puisque votre majesté et mes nobles seigneurs électeurs désiraient une réponse, je vais répondre. À moins d'être convaincu par les Écritures et par la simple raison, pas par les papes et les conciles qui se sont eux-mêmes si souvent contredits. Ma conscience est la captive de la parole de Dieu. Aller contre ma conscience n'est ni bon ni honnête. Je ne peux ni ne veux renier. Me voici. Je n'ai pas d'autre choix. Que Dieu me soit en aide. Oui, oui. Silence! Nous sommes avec toi, Martin. Ils vont le brûler. Silence! Silence! Mais c'est pas si simple, j'ai entendu des absurdités.
Silence! On croit que le juger activement! Non, ne démordrez pas! J'ai demandé un nouveau testament grec. J'ai besoin de livres corrects, pas de ces bêtises. Et un dictionnaire grec-allemand. Laissez-nous. Et un dictionnaire grec-latin. Ce n'est pas le moment, Martin. L'empereur va me faire brûler, de toute façon. Il va tous nous brûler. Ceci est une trahison. D'avoir le Nouveau Testament en allemand, dans une langue que les gens simples peuvent comprendre? Oui. C'est la chose que Rome craint le plus. Eh bien, c'est l'auteur qu'il faut accuser. Nos enfants sont affamés. Vous nous affamez. Supprimez les indulgences. Bande de papistes. On va vous faire rendre Nous devons envoyer des soldats. Et faire couler plus de sang. Si Wittenberg ne pouvait pas résoudre elle-même ses conflits religieux, le reste du monde ne serait pas très impressionné. Envoyez-moi Luther. Comment va le travail? Difficile. Les mots sont comme les enfants. Plus vous leur donnez de l'attention, plus ils en demandent. Comme les femmes. Ça, je ne sais pas. Écoute ce verset de Saint-Luc. C'est la volonté du Seigneur que rien ne soit perdu. Dans notre langage, le mot volonté signifie la puissance, la volonté, faire plier quelqu'un selon son désir. Mais dans le texte grec, ce mot de trois lettres dénote la passion, le feu, les organes internes. Ça peut vouloir dire aimer, désir, même désir sexuel. Mange ta bouillie. J'écoute même pas. D'ailleurs, cette bouillie ne vaut rien pour ma digestion. Non, ce n'est pas le mot qui est important, mais ce qu'il dit sur Dieu. Tu es beaucoup trop seul ici. Tu es beaucoup trop seul ici. Mon bon Spalatin, deux semaines que tu n'es pas venu. Bien sûr, je suis trop seul. Comment puis-je écrire pour notre peuple alors que je ne vis pas avec lui? La langue de la Bible devrait être comme une mère parlant à ses enfants. Eh bien, c'est décidé. Martin Luther ne doit pas quitter cette pièce. Ah. Mais le chevalier Georges peut. Il est temps que tu vois par toi-même, Martin. Nous cherchons le docteur Luther. S'il vous plaît,
Les sœurs et moi, nous nous sommes échappés il y a 3 jours du couvent de Nimshen. Et vous êtes venu ici? Parce que c'est ici que vit le docteur Luther. Nous étions cachés dans ces tonneaux de harangues, monsieur. Nous étions 2 nuits dans une carriole à ciel ouvert, sans repos, sans manger, sans dormir. Alors si vous pouviez juste me dire... Je suis Luther. Katharina von Bora. Martin Luther. Mais vous le savez déjà. Je vais vous amener à un refuge. Qui est là ? Non. Martin Luther ? Monseigneur. Eh bien, enfin nous nous rencontrons. Je vous ai dédié ce travail, Monseigneur. La traduction du Nouveau Testament. Dans notre propre langue. En allemand ? Mais cela va nous séparer de Rome. À jamais. J'ai toujours voulu l'unité des chrétiens, mais pas au prix de la servitude. Je réponds à la loi de Dieu, pas à celle de Rome. La loi de Rome est la réalité. Je crois que la réalité est le Christ. Oh, sans aucun compromis. Aucun. Ah. Vous réalisez bien sûr que ceci sera perçu comme un acte de pure provocation. Oui. Et qu'ils ne vont pas hésiter à riposter. Oui, je sais. Alors, si vous savez tout cela... Pourrais-je avoir mon présent maintenant ? Oui, bien sûr. Ah, merci. Tout ce que je veux, c'est Luther. Brisez les princes et vous brisez Luther. Leur tactique sera de retarder, de s'acharner sur les détails. Les cantiques de Luther ? Ils le feront. Vous devez garder l'ordre du jour clair, Majesté. Ils doivent accepter qu'il n'y ait qu'une seule Église. Cette peste se répand, Aleander. J'aurais dû le brûler ! Mes princes, frères en Christ, il n'est plus temps d'être prudent, mais courageux. Charles n'est plus le jeune effarouché que vous avez vu à Worms, docteur Luther. Il a fait plier la France et ravager Rome. Seuls les Turcs demeurent une menace pour lui. En un mot, il a le temps et toutes les ressources du monde pour nous réduire en poudre, morceau par morceau, état par état. Et je crois qu'il ira jusqu'au bout. Mes seigneurs... Le silence ne nous sauvera pas. Si nous défions Charles, y aura-t-il une guerre ? L'horreur d'un autre sang versé, honnêtement, je n'en sais rien. J'ai mis de côté toutes mes anciennes certitudes. Mais réfléchissez. L'empereur nous invite pour présenter nos croyances, pour exposer ce que nous défendons. Satan nous invite à prêcher en enfer. S'agit-il d'un piège ? Ou de notre plus belle opportunité jusqu'à maintenant. Et souvenez-vous que, comme je ne peux pas venir avec vous à Augsbourg, vous ferez face à la fureur de Charles seul. Votre choix est simple. Si vous cédez, mes seigneurs, la comète brillante qu'est notre foi sera brisée.
et réduite à quelques lumières isolées, vacillantes dans un monde obscur. Pourquoi le père court pour retrouver le fils prodigue? Les propriétaires ne courent pas. Les nobles ne courent pas. Les princes ne courent pas. Alors pourquoi ce père, riche propriétaire, court-il? C'est parce qu'il a peur. Il a tellement peur que son fils retourne vers la ferme à cochons. Il court, car il aime son fils. Et il y a un mot spécial pour cet amour. Compassion. Compassion. Et vous savez ce que veut dire ce mot? Martin, c'est simplement la cloche d'une église qui sonne l'Angélus. Continue l'histoire. Prince bien-aimé de l'Empire, je serai bref et direct. Vos pasteurs ne pourront plus prêcher. Et vous allez interdire ces bibles en langue vulgaire et déclarer tous ceux qui en possèdent ennemis de l'État. Nous n'empêcherons pas nos pasteurs de prêcher la parole, ici ou ailleurs. Ne cédez. Nous n'interdirons pas la nouvelle Bible, monseigneur. En signe de votre loyauté envers moi, demain vous marcherez à mes côtés pour la procession de Corpus Christi jusqu'à la cathédrale et prierez chacun d'entre vous, à la façon de Rome. Nous ne le ferons pas, monseigneur. Vous le ferez! Où vous connaîtrez mon épée? Avant de laisser quiconque m'enlever la parole de Dieu et me demander de renier mes croyances, je me mettrai à genoux et le laisserai me couper la tête. Votre Excellence, nous avons rédigé une profession de foi que je crois vous ne saurez nous reprocher. Profession de foi, les princes lui ont tenu tête. Pilate.
Ce qui se passa à Augsbourg a ouvert la porte de la liberté religieuse. Martin Luther vécut encore 16 ans, prêchant et enseignant la parole. Martin et Katharina eurent 6 enfants et un heureux mariage. L'influence de Luther s'est étendue vers l'économie, la politique, l'éducation et la musique. Et sa traduction de la Bible devint une pierre fondatrice pour la langue allemande. Aujourd'hui, 540 millions de personnes prient dans les églises inspirées par la réforme.